Hélène Guénin, qui est la nouvelle directrice du MAMAC. Je vous remercie de nous accueillir pour cette journée, cette première en tout cas, séance de découverte du MAMAC. Certains le connaissent déjà, mais et puis aussi de découverte des services, comment fonctionne un musée, et puis bon, ce qui est au cœur de leur futur métier, la question de la médiation. Merci beaucoup, merci de votre venue ce matin. Je suis ravie de vous accueillir toutes et tous. Donc ce matin, c'est une première prise de contact, peut-être pour certains d'entre vous, la découverte du musée et de ses activités. Alors Lélia Maury, qui va être votre guide ce matin, est sans doute le visage que vous connaîtrez le plus au MAMAC, parce que c'est elle qui porte vraiment tous les projets de médiation avec sa collègue Tatiana Novakovic. Eh bien, Lélia vous expliquera un peu quelques-unes des pistes de travail qu'on pourrait vous proposer et surtout vous dire un petit peu la manière dont on aborde cette question de la médiation au cœur du musée. Vous allez découvrir ce matin un certain nombre de projets qui sont en cours et qui illustrent bien, je pense, eh bien, ce qui est le cœur de l'activité du MAMAC, c'est-à-dire un musée avec des expositions temporaires, mais partant d'une identité forte, qui est cet axe d'une articulation entre un territoire, une aventure de l'art, de la culture sur la Côte d'Azur, qui est un bassin artistique assez fertile depuis les années 50, et son ouverture sur l'international avec des croisements avec l'art américain, avec l'art italien, nos proches voisins. L'artiste Ernest Pignon-Ernest, qui est quand même une très grande renommée, qui est un artiste niçois, et qui présente ici une rétrospective, c'est-à-dire qu'on présente 50 ans de travail. Donc aujourd'hui au MAMAC, nous avons eu le plaisir d'accueillir le Master 1 Infocom de l'Université de Nice. Pour nous, c'est une passerelle très importante, notamment dans la médiation qui insiste sur les liens entre l'institution muséale, le musée et le public. Et le public étudiant, il est important que nous fassions venir dans nos murs pour découvrir les collections, les institutions. Et il est important que ces étudiants prennent conscience du patrimoine local et des institutions qui la composent, notamment à travers des collections et des expositions contemporaines. Des lieux. Il utilise les escaliers menant au Sacré-Cœur pour casser les corps. Quand on parle d'art et de médiation artistique, c'est bien d'aller sur les lieux où l'on expose l'art et on le présente. Et donc là, on avait l'occasion d'engager cette année
par la visite donc à la fois du musée d'art moderne et contemporain, mais aussi de l'exposition d'Ernest Pignot-Ernest, qui est vraiment, me semble-t-il, une exposition remarquable concernant l'art contemporain. Donc je trouvais que c'était bien que les étudiants puissent avoir cette double expérience, à la fois de découvrir l'institution et à la fois de découvrir un artiste. Je vais s'y mettre facilement. Tu prends une manche sur cette photo, la manche sur l'autre photo, une main sur une quatrième photo.